Qui va permettre de déposer l'angle. Et puis nous allons aussi commencer à attaquer les pour le nettoyage intérieur de la cathédrale. Combien de personnes travaillent sur le site hein? Je ne sais pas si à quel étage vous êtes par rapport à ça. Vous aimeriez. Alors là actuellement, il y a la semaine dernière, nous avons une soixantaine. Là, il va pas monter sensiblement vers 250. Quel retard tout ça a pris par rapport au calendrier que vous aviez en tête? C'est difficile à établir une précision. L'interruption a été d'un peu moins de 2 mois. Sur les 5 ans n'est pas considérable. Vous avez rencontré des difficultés inattendues là, Attention. Camille. Qui a appliqué dans sa mère la pute? À ce propos, monsieur, vous êtes-vous heurté à une opposition à l'ouverture du parvis? Alors, l'ouverture de Paris, ce n'est pas l'affaire de l'établissement public, c'est l'affaire de la maire de Paris. Le parvis appartient à la mairie de Paris. Donc, c'est la mairie de Paris qui décide la réouverture. Alors, la difficulté qu'il y a eu, évidemment, qui explique que ça ait pris longtemps, c'est qu'il fallait arriver à un taux de plomb acceptable pour que l'ARS, l'Agence régionale de santé, donne son accord, ce qu'elle a fait samedi dernier. Donc c'est uniquement sanitaire, s'il y a des oppositions, c'est uniquement sanitaire. Pas pour des questions de sécurité, terrorisme ou autre. Quasiment uniquement sanitaire. Je vous remercie. Pour reposer la question, peut-être où on est dans les travaux. Le calendrier. Comme vous dites, reposer la question. Nous progressons à notre rythme, nous avons repris la semaine. Nous avons un peu cassé la dynamique de démontage de l'échafaudage, on reprend, mais à partir du 8 juin, ça deviendra beaucoup perceptible d'extérieur. Nous allons attaquer cette semaine le montage de l'échafaudage monté pour déposer l'ordre, pour nettoyer les tuyaux. Le reçu de la poussière de plomb, c'est le seul dégât qu'il y a dans la tente, c'est un temps assez considérable. Nous avons mis sur le et nous allons poursuivre le déblaiement des sondes des doutes pour pouvoir terminer le diagnostic sur le grade et attaquer le nettoyage à grand échec. Et parallèlement à ça, nous améliorons constamment les installations de zones libres pour les compagnons, pour
rendre l'accès au chantier pour eux plus confortable, notamment au regard des contraintes que fait poser le pont. Nous marchons résolument sans trembler vers la date d'avril 2024. Voilà. Excusez-moi, sur cette dépollution, je vais vous expliquer comment ça s'est déroulé. La dépollution. Ah, mais ça, c'est... Tout le monde a nettoyé. Ça a été difficile. On a essayé de faire un trou de nuit. La technique a été utilisée. Pour arriver aujourd'hui, on est largement inférieur aux 5000 carrés, la norme. D'accord. Et quelle zone ont été tirées sur ce parvis-là ? Ils ne sont pas de parvis. On a même déposé une tête de réduit. Bon, cela dit, il ne faut pas non plus exagérer. Le plomb sur le parvis, si vous ne venez pas le lécher, voilà. Eh, pardon, excusez-moi. Il y a eu cette saisine, il y a eu quoi d'autre Tu veux faire une question pas sur le... J'avais vu qu'il y avait eu un petit peu de terre qui avait été abaissée ou creusée. Je sais pas, vous avez lu ça, on a creusé la terre derrière pour montrer, mais c'est pas... D'accord. Voilà. Dernière petite question. Vraiment. C'est la toute dernière. Merci, s'il vous plaît. C'est la dernière pour vous. C'est comme l'a dit l'archevêque de Paris et avant lui Monseigneur Chauvet, les catholiques dont je suis verront l'intervention de l'Esprit Saint, puisque la Pentecôte, comme vous le savez, c'est l'Esprit Saint qui sont voilà. L'Esprit Saint est venu nous aider et faire le tout. Mais l'ouverture du parvis sur le chantier lui-même n'a pas d'impact. C'est intéressant surtout pour par l'axe que ça représente. Les commerçants de la rue de l'Arcole, il y a très longtemps, qui demandaient à ce qu'on ouvre cette manière de parler. Est-ce que ça va alors certainement il va faire le tour par la rue de la cité. C'était compliqué. Terminé. Merci beaucoup. Comme recteur de la cathédrale, je suis particulièrement heureux de me retrouver ici avec Madame la maire pour ce moment important. Ça fait un an. Voilà, on devait s'installer le 16 juin et malheureusement il y a eu un problème de plomb et ensuite un problème. Mais voilà, le général a dû gérer cela de lui-même. Et donc, moi je dis aussi que l'Esprit Saint a dû souffler. Et c'est l'esprit qui a chassé, à mon avis, il a tout chassé, le plomb et le virus. Et donc, nous sommes là pour fêter cela. L'archevêque. Bon, ben voilà, bien sûr, nous nous réjouissons particulièrement d'être ici sur ce parvis. En plus, comme le disait le recteur, le jour de la Pentecôte, pour nous, c'est un signe extraordinaire de pouvoir accueillir, de pouvoir retrouver ce lieu. Même si, Madame la maire, nous sommes chez vous, bien entendu, mais nous sommes heureux de vous retrouver chez vous, figurez-vous, parce que, quelque part, on peut réadmirer à nouveau de près cette, notre chère cathédrale, cet endroit si magnifique que tant de gens viennent voir, admirer et contempler. Donc voilà, nous sommes heureux de pouvoir revenir ici, de pouvoir à nouveau nous réunir. C'est vrai que dans le contexte actuel, c'est comme une libération qui se continue, qui se perpétue, et nous espérons que nous pourrons tous nous retrouver de manière fraternelle, puisque cette fraternité, c'est ce à quoi nous essayons de contribuer tous tant que nous sommes. Merci. Rien à ajouter après les paroles aussi sages. Oh. Sinon, c'est un petit pas vers avril 24. Voilà. Pas à pas, nous avançons résolument. Voilà, il y a encore les barrières, mais effectivement, en 24, j'ai bien compris, les barrières sont plus nombreuses. Tout ça aura sauté. Voilà, formidable. Et à mon tour de dire aussi le plaisir que j'ai d'être aux côtés de Monseigneur Chauvet, l'archevêque de Paris, du général, des maires, maires d'arrondissement, parce que c'est vrai que Paris a connu beaucoup d'épreuves. L'incendie de la cathédrale est une des grandes épreuves de notre ville. Puis c'était compliqué.
et on est ensemble. C'est une forme presque de renaissance aujourd'hui. Il faut continuer à être prudent. Je pense qu'on peut être heureux de se retrouver dans ce lieu symbolique. La Notre-Dame, c'est l'âme de Paris. Je pense que du coup, on a cœur de pouvoir à nouveau admirer ce lieu et puis s'en imprégner. Je ne laisse personne à nous. Madame Hidalgo, quelles sont les garanties que vous avez eues d'un point de vue sanitaire sur la dépollution? D'abord, on a fait tout le travail et de dépollution et d'analyse. On a pris des précautions. Ça a été une crise aussi très importante, hein, cette découverte de l'eau ici sur le parvis et dans d'autres lieux de la capitale. Comme toujours, on a pris les choses au sérieux, on a trouvé ça avec l'Agence régionale de santé, avec toutes nos équipes. Et si nous vivons, c'est que nous vivons en vrai. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les résultats des analyses qui ont permis la réouverture et quel sera le protocole s'il y a un suivi qui va être appliqué? Je ne vais pas vous donner les résultats parce qu'ils sont en bon, sinon on n'est pas ouvert. Et par ailleurs, le protocole, c'est simplement de pouvoir vivre dans un lieu qui ne sera plus connu sur le territoire. Les parcs, les jardins, les mystères, les parisons ont fait preuve d'incivilité. Il y a énormément de choses par terre, jette. Est-ce que vous avez un message à faire passer à toutes ces personnes? D'abord, je me réjouis aussi que les parcs et jardins aient ouvert. C'était un besoin là aussi de respiration pour toutes les Parisiennes et tous les Parisiens. Et quant aux incivilités, ce n'est pas qu'à Paris, c'est partout dans notre pays. Je pense que les jardins sont sales. Il faut un sursaut, bon, je ne dirais pas sur ce terrain-là. Il faut un sursaut de civisme, mais voilà, place à la vie et à la confiance aussi. Et je préfère dire aussi, parce que c'est la vérité, que nos concitoyens ont été très respectueux pendant toute la période de confinement. Il faut continuer à leur parler comme à des amis, c'est pas un peu plus loin, mais je pense qu'ils seront à leur niveau. Voilà, merci. Monsieur Chauvet, juste une question, est-ce qu'il y a des cérémonies ou l'installation d'une chapelle qui est prévue dans les jours qui viennent? Non, pour l'instant, rien.